Bonsoir, je me représente, moi c'est... Oh, c'est toujours Anouma. Dans le jargon de Thomas Croisière, hein, qui cette année encore, j'en suis sûre, a dû te commander pour Noël un nouveau stock hein, de blagues carambars, eh bien, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de naufrage hein, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir Père Noël, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme un tire-fesse hein, qu'on aurait mis à la disposition d'un cul de jatte. Hein, donc, personne ne saisit jamais les perches, c'est un peu dommage. Hein, très petit. Tu l'as compris, Père Noël, je suis toujours célibataire, hein, sèche comme une plaque d'eczéma. Et de devoir continuer à t'écrire à 35 ans passés. Une lettre à laquelle cela dit, a priori cette année, hein, tu devras avoir le temps de répondre, hein, puisque selon la prédiction des Mayas, hein, qui prévoit la fin du monde pour le 21 décembre, hein, soit trois jours avant l'orgie de Noël, et bien cette année, mis à part ta micro-tournée hein, du côté de Bougarache, et bien on peut dire hein, que tu vas avoir le temps de forer la danne, hein, comme dirait cette copine de Mère Noël. Et en parlant de mettre la dinde au four, justement, ayant investi cette année hein, dans un bunker hein, du côté de Bougarache, avec des amis de la Morinade, aussi dégénérés que désireuses de faire partie, elles aussi, de l'humanité de demain, et bien je laisse la parole à mon amie Monique, originaire initialement de Namur, hein, qui souhaitait te laisser un petit message. Père Noël, ce monde étonnant, tu l'as bien compris, à la fin des temps après chagrin, pour eu du coup, hein, pour en avoir discuté avec mon ex-mari, hein, qui cela dit toujours aussi mon frère, mais c'est un autre débat, c'est quasiment hors sujet. Et moi, je trouve personnellement qu'il serait vraiment dommage hein, de laisser l'espèce s'éteindre, hein, sans tenter une dernière fois de te convaincre de mettre en fait ton petit Jésus dans ma crèche de ma bourrée. Ça va, merci, hein, Monique. Je pense que le père Noël a bien compris ta requête, une requête avouée assez légitime, mais qui d'expérience restera probablement sans suite. Avec moi également, Père Noël, j'ai mon amie Jacquette, originaire du nord de la France, qui aimerait elle aussi, je crois, t'adresser un petit message. Mais j'ai une grande mie, moi j'ai des poux dans le menu, hein. Je sais bien que le Père Noël est vrai, je peux pas juger que c'est même barbe là, pour qu'on le reconnaît quand il veut me ramener le cheminé. C'est pas un chiffre de nerf plus, on peut d'en suivre. Merci, Jacquette. Comme d'habitude, on n'a rien compris, mais ça avait l'air sincère. Hein. Bref, Père Noël, bon, tu l'as plus ou moins compris cette année, du fin fond de notre bunker de Bougarache. Eh bien, Monique, Jacquette et moi, n'avons qu'un souhait finalement, hein, celui de pouvoir enfin sauver l'humanité hein, avec un mâle consentant hein, de type caucasien ou canin, peu importe, tant qu'il est aussi fertile que séronégatif. Pour cette petite confidence, hein, Père Noël, je te laisse te mettre au boulot. En attendant, hein, sache qu'après l'émission, eh bien, j'aurai tenté ma chance hein, en Sibérie hein, pour survivre dans la taïga hein, de pêcheurs russes. Non, n'ont pas hésité à bouffer leur ami. Hein, donc, c'est comme moi, le gibier de l'amour qui est en toi. N'a qu'un souhait finalement, hein, celui de pouvoir enfin passer à la casserole, comme on dit. Eh bien, n'hésite pas à m'y rejoindre. Ah, c'est tellement mignon. Bravo! La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.